la houle en légère baisse et du vent qui ne s'est pas calmé ce midi sur la Cano. Rebonjour à toutes et à tous. On a un temps qui devient variable. Il y a des éclaircies peut-être un peu plus marquées. Une température extérieure qui est relevée à 21-22 degrés. Une température de l'eau à 21-22 degrés. Une marée qui est actuellement en train de finir de descendre. Le plein bas est à 12h45 avec des coefficients 2. 93. Et sur cette marée qui est en train de finir de descendre, le vent est un short. Ouest-sud-ouest, il est toujours soutenu, hein. Le drapeau est tendu, les clapotis et les moutonnerades, les moutonneries sont toujours présentes sur le plan d'eau, au large la moutonnerie, les clapotages sont bien présents au bord, les phases de vagues sont en ridet, à clapotante, et la houle est en vrac total, une houle qui est courte en moyenne, 7 à 8 secondes de période, orientée ouest à ouest-sud-ouest, toujours agitée, c'est moultepec. Et c'est en légère atténuation par rapport à ce matin. Il y a 50-80 cm en déferlement régulier, 1 mètre sur la majorité des séries. Il traîne par moments sur des séries aléatoires, poussées, amplifiées par le vent. Encore un petit mètre 20. En termes de qualité, c'est médiocre. J'ai fait toute la plage de la nord jusqu'à la sud. Et si j'ai bien vu, bah, les seules personnes qui surfent les vagues et qui arrivent, qui sont dans l'eau et qui prennent des vagues, c'est là. Voilà, très multipique, très désordonné, il y en a dans tous les sens, il y a un petit courant qui sort là, qui fractionne la houle et qui fait dérouler un peu plus les gauches que les droites là, comme on voit au bord. Mais c'est quand même très aléatoire, c'est multipique, c'est un coup à attraper le mal de mer. Hein. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va continuer de légèrement s'amortir car la bouée Arcachon-Gascogne est légèrement en atténuation. Elle est maintenant relevée à 1,50 m et 5 secondes. Le vent est attendu se calmer un peu plus cet après-midi. Et à voir peut-être sur la toute fin de journée, sur la marée haute associée à des coefficients de marée relativement importants, on peut peut-être avoir un coup de maline. Quoi qu'il en soit, les conditions seront un peu moins dégradées ce soir qu'elles ne le sont maintenant. Les prévisions. À 13h, 1 mètre, quelques séries au-delà, ou ouest à ouest-sud-ouest, 7 à 8 secondes de période, vent ouest-sud-ouest à 4 Beaufort. Et à 17h, 80 cm à 1 mètre, légère baisse. Peut-être qu'il y aura encore des séries un peu au-delà, ou ouest à ouest-sud-ouest, 7 à 8 secondes de période, vent d'ouest à 3 Beaufort. Et on devrait avoir sur la fin de journée, sur les coups de 18h, 19h, vraiment sur la fin du montant, un vent qui se calmera un peu plus, mais ça ne sera pas du vent faible. Hein. Et vu comme le vent a soufflé déjà sur une bonne partie de la journée, ça restera quand même agité multipique, mais le meilleur créneau, il sera en fin de journée, et ça ne sera pas la folie non plus. Je vous souhaite néanmoins un bon dimanche, et on se retrouvera demain matin à 6h pour le prochain bulletin. Merci. De la houle.